sont sérieux là, mais qu'est-ce que vous faites? Vas-y, laisse-nous dormir, c'est le ramadan, frère. Ah, c'est comme ça, Myriam. J'espère aussi que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une méga surprise pour Younes et Myriam. C'est quoi la surprise? Vous verrez, c'est parti. Quand on se lève les gars, pour ma part c'est le moment le plus difficile du ramadan. Genre la journée ça va, mais le matin quand je me lève, je sais que je vais pas manger et que j'ai la bouche toute sèche. Le matin il faut bien que je me passe de l'eau partout. Et après dès que je suis lavé, la journée elle commence. Vas-y décale, laisse-moi un peu faire. On va me brosser les dents. Oh là là. Pour le tour de ce soir j'ai une surprise de fou malade. Eh, y a aucun frère qui va faire ça pour sa famille les gars. J'ai des produits qui nous viennent tout droit d'Amérique, ça va être une dinguerie. Pour la dégustation du tour de ce soir, ils vont être trop bien. Younes et Myriam, venez tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut Myriam? 4 plus 4. Ça fait 100. Non, c'est 44, parce que regarde, ça additionne ça. Vas-y, vas-y, viens, on y va. 4 plus 4, ça fait 44. Toi, je vais m'occuper de toi. Younes et Myriam, je vous ai apporté des produits qui viennent tout droit d'Amérique pour le talk de ce soir. Mais attention, là, il fait encore jour. C'est pour le talk de ce soir, pas maintenant. Ça va être incroyable. Oh, 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 oh. Yes. Yes. On peut l'ouvrir. C'est moi qui l'ouvre. Eh, je vous arrête tout de suite. C'est pas possible, regardez. Dehors, il fait encore jour. Comment on fait pour l'ouvrir? C'est pas possible, c'est pas encore. Non, il va falloir patienter après pour le tour. Attends, si je fais pas le ramadan, moi je peux quand même manger, non? Faut patienter avec les autres. On va patienter, les gars. Vas-y, allez là-bas. Non, c'est moi qui récupère le carton. Non, mais allez si, là-bas. Si, c'est moi qui récupère le carton. En ce moment, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens comme nous qui disaient des gros mots, des jeunes et tout. Les amis, sachez que c'est très très grave de dire des gros mots. Dieu, notre Seigneur, le créateur de tout l'univers, déteste toutes les personnes qui disent des gros mots, les gars. Et en plus, dites-vous une chose, c'est que si tu dis un gros mot, même par réflexe ou quoi, une seule parole peut te précipiter en enfer. Donc, c'est vraiment une dingue. Donc, essayez au mieux, je sais que c'est pas facile, au mieux d'éviter de dire des gros mots. Même pour rigoler, on n'a pas le droit. Si par exemple, je veux rigoler avec Myriam, je dis ah Myriam, en disant un gros mot, j'ai pas le droit, c'est interdit, les gars. Donc, essayez de faire un effort sur vous. Je sais que c'est pas évident pour vous, nous aussi, on essaie de faire un maximum d'efforts, mais c'est vraiment important les amis, parce que s'il y a trop gros à jouer là. On est avec des beaux gosses les gars, je vais vous donner un geste technique, vous allez essayer de le reproduire, d'accord? Regardez. Qui sait faire ça là? Oh ça! C'est pas validé, c'est pas validé. Oh c'est validé! Check mon pote, bien joué. Bien joué, lui aussi, check. Du coup les deux ils ont mérité un 1v1. Dans le reste que lui c'est un défenseur et lui c'est un attaquant. Bah c'est carré, il va défendre, il va attaquer. Défenseur vs attaquant. Attaquant versus défenseur. Ok, passement de jambe. Oh. Ça passe. Incroyable, parce qu'il va donner mon conseil. Oh. Ouais, ça passe pas. Mets le pied. Ah, voilà, un partout final. Ouais. Qui va gagner? Allez, on va voir qui va gagner, c'est parti. Okay, passement de jambe. Oh, ça joue. Il y a des pénalties. Hein. Oh, bien joué. Incroyable. Incroyable. Oh là là, victoire. Tout le monde contre Yacine. C'est parti. Comment ils vont faire les abonnés? Oh oui, ça joue. Oh les gamins. Centre. Non, t'as déconné. Les gars, c'est à cause de lui. Hein. Il aurait dû centrer, vous étiez trop au centre. Il est stock. Ok. Il décide d'accélérer. Et il est KO les gars, il est KO. Oh Yacine, il a battu tous les abonnés. Bon bah les gars, entraînez-vous un peu et vous referez une revanche contre Yacine. Encore, je suis fatigué, j'ai pas entendu. Ils sont grave forts les abonnés, je suis choqué. Hein. D'ailleurs, comme t'as réussi à marquer à 4 abonnés, tiens. C'est quoi? Ouvre, juste ouvre. Mais c'est quoi? Il y a marqué football émotion. La famille, d'ailleurs ceux qui demandent des codes pour payer moins cher, c'est comment? Le code c'est Familia5. Mais il marche plus, j'ai essayé, il marche plus. Ah bah il marche plus là. Bah y'a pas de code les gars. D'ailleurs, note-le. Trop bien surveillé. C'est pas un truc de ouf. Mais attends, mais y'a un problème là. Regarde le pantalon aussi. Et attends, avant de dire quoi que ce soit, s'il te plaît. Il me voit pas. Regarde le maillot, s'il te plaît, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas te rappeler au magasin quand on a été. Même il coûtait trop cher. Est-ce que tu te rappelles de ce maillot? Ouais. Est-ce que t'as la rêve de ce maillot? Ah ouais, celui du magasin il coûtait 100 euros. Tu sais, je l'ai acheté combien? Combien? 50 balles, je crois. Mais attends, pourquoi c'est trop grand pour moi? Ça me va non, pas. Non, mais c'est pour moi. Ah, donc c'est moi qui dribble les abonnés, c'est toi qui fais un cadeau. Bah ouais. Ah bien. Attention. Tu me notes combien? 10 sur 10. Les amis, très important, quand vous avez des nouveaux abus, des nouveaux trucs, faut toujours dire cette de Ya Allah, accorde-moi le bien et écarte-moi le mal de cette chose. C'est très important, comme ça au moins Dieu il vous donne que le bien. Même si t'achètes une voiture ou n'importe quoi. Tout ce que t'achètes, peu importe, faut toujours faire cette deha. Les gars, vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Omar il va faire un défilé raid. D'ailleurs faudra aller sur sa chaîne Soprod, le défi il est incroyable. C'est quoi le défi? Faut pas spoil. Non regarde, je fais quoi? Il est en train de reprendre son niveau, regardez. Et toi tu fais quoi la petite Mimi? Elle fait un défi elle. Toi tu fais pas le ramadan Myriam? Et par contre j'ai un truc à vous dire là, vous avez vu là il y a marqué quoi? Manger, dormir, jouer, répéter. Il manque un truc. Il manque un truc. Dis-leur. Pray.
Ouais. Moment de prière. Il y a ne jouez pas toute la journée pendant le Ramadan. Jouer, il n'y a pas de problème, mais il faut lire le Coran, il faut prier, il faut adorer Dieu. C'est le mois le plus important. Au moins, au minimum, le minimum, faites votre prière. Ouais, ça, c'est obligatoire. En plus, en vrai, quand tu l'as fait à l'heure, ça va vite. Ça va très vite. Quand tu l'as fait à l'heure, fais au moins ta prière. C'est vrai. Après tout ça, nous, on conseille à tous, tu vois, lire le Coran, essayer d'apprendre des nouvelles sourates, essayer d'apprendre la vie du prophète. Il y a plein de trucs à faire, tu as plein de pouvoirs, mais au moins, lâche pas ta prière, c'est le plus important. Mais la vraie question qu'on se pose tous, c'est qui est le plus fort entre Omar et Myriam. Il y a un kill, regardez, allez Myriam. Allez Myriam. Tu peux le faire. Allez Myriam, allez. Vas-y, tu peux le faire, allez Myriam, allez. Ouais. Le moment est enfin venu, on va ouvrir ce colis bleu. Myriam, par contre, je te préviens, fais pas la sauvage, d'accord? On ouvre, on découvre avec les abonnés. Regardez, je dis fais pas la sauvage, regardez là. C'est moi qui ouvre. J'ouvre. C'est moi qui ouvre, Myriam. On commence par du papier bulle. Myriam, qu'est-ce qu'on fait avec le papier bulle d'habitude? Myriam, c'est timide. Hein. Pas mal. Masterclass. Mais Yacine, t'as trouvé où tous ces produits, mec? C'est des produits américains, mec. Vas-y, présente quelques produits. Ok, on va prendre un produit au hasard. Genre, on a des Oreo Happy Birthday. Ouais. Incroyable. Myriam, regarde, ça, tu kiffes ça d'habitude. C'était ici bleu. Oh là là. Les gars, regardez. On a quoi? Oh, des croissants Kinder au chocolat. Croissants Kinder au chocolat. Yacine, t'es un malade mental, vraiment. Jamais vu. On a aussi, regardez, des cookies poules. Mais t'as vu quoi quand Max était guéri? Boisson, on a des boissons aussi, ouais, les mais gars. Ça, c'est pas pour pas puer de la bouche. Non, un Fanta à la pomme. Oh la masterclass. Non, les gars, là ça va trop loin. On a 24 produits, c'est une dinguerie. J'ai une question à te poser. C'est quoi qui te donne le plus envie dans tout ça là? Ça. Ça là? C'est ça. Toi, Younes, c'est quoi qui donne le plus envie dans tout ça? Bah, déjà, je montre aux abonnés. On a des lions au brownies, la famille. On a des Kit Kat en or, Kit Kat gold. Eh, qu'est-ce qui vous donne le plus envie, les abonnés? Dites-nous dans les commentaires. Les Jelly Belly. Ça, tu sais ce que c'est, des Jelly Belly? Lis la description. Alors, déjà, il y a cire d'oreille. Ah. Verre de terre. Ouais. Saleté. Mais ça me rappelle des souvenirs, ça, Younes. Cerise. T'as des mochi mochi. Mais là, vous savez qu'il manque un tagine. Là, c'est le Ramadan. Moi, je vais ramener un tagine. Arrête, commence même pas. Non, mais non, tagine, je commence même pas, toi. Non, mais les frères, je vous parle sérieux. Oh là, je vais ramener un tagine. Mais vous êtes des malades mentales. C'est ça le f'tol. Non, vous êtes fous. Je suis obligé de prendre un tagine, les gars. C'est le f'tol. C'est parti pour la dégustation de produits américains, les gars. C'est enfin le moment. Je pense qu'on va commencer par le sucré. Faire du salé, du sucré pour pas trop s'écœurer. Bon, on commence par quoi, Myriam? C'est toi qui décides les trois premiers produits. Je pense qu'en vrai, on va commencer par les Kit Kat Gold. Vas-y. Kit Kat en or, les amis. Je sais pas c'est quoi le goût. Moi, je connais que Kit Kat classique. On va voir ce que ça donne. Les gars, c'est pas gold, c'est caramel. Moi, je m'attendais. Couleur caramel. Couleur caramel, ouais. On va goûter, tu vois. On va goûter ce que ça donne. Mais, hé, t'as mis une dégustation, Myriam. C'est la moitié d'un, sinon on va jamais s'en sortir. Quand on ouvre, on prend chacun un peu. Tiens, allez, bismillah. Masterclass, ça a le goût du caramel. Vous voyez les danettes, moi j'aime bien, elle n'aime pas le caramel. Si tu kiffes le caramel, tu vas forcément aimer. Mais si t'aimes pas, c'est pas bon, pas moi le caramel personnellement. Je mettrai 8 sur 10 les gars pour ceux qui aiment le caramel, c'est une masterclass. Ok, hey, y a ça qui m'intrigue là, c'est juste à côté de moi. Pizza Hut à la base c'est des pizzas, ils ont fait des chips à la margarita. Est-ce que ça va avoir le goût? Déjà bien on sent. Oh, ça sent, je sais pas, ça sent... Pourquoi la pizza? Ça sent pas la pizza, les frères. Bon, on va vous montrer, ça ressemble à quoi. Ok, une petite chips. Vas-y, je vais en prendre une aussi. Ah non, on n'en prend pas une pour un, on sait jamais. Moi, je suis pas trop chips, je vous dis la vérité. Est-ce que t'as l'impression de manger une margarita? Pas du tout. Franchement, les gars, ils ont mis des épices. Des épices, t'as vu, dans le sud, les fleurs, les herbes provençales. Celui-là, en vrai, c'est plus un truc pour les papas, je pense. Les papas, ils vont kiffer. Finis ta chips au moins, finis ta chips. À ce point-là, ouais. Toi, t'abuses. Pour nous altérer la gorge, on va goûter cette boisson. Fanta pomme, vas-y, Fanta pomme. Pa, pa, pa. C'est de la frappe atomique. Vous avez le jus de pomme? Eh ben c'est ça, mais en mode gazeux. Et je kiffe, ça fait pas Mr Freeze? Ouais. En gros, celle-là, on lui met 9 sur 10, les gars. Je peux choisir ou... Vas-y. On va prendre un truc, piquant, faut prendre pour le début. Les gars, ici, on a les chips les plus piquantes. J'irai pas au monde, mais on a les chips piquantes de malade. Les plus piquantes du Japon, on va dire. Allez, on y va. On en prend une chacun. Elles sont bien grosses, hein. Par contre, moi, je vous le dis, je suis pas trop piquant. Tout ce qui est piquant, j'aime pas du tout. Ça sent pas une odeur particulière, mais... Oh. Ah, le piquant, il vient à la fin. Ah ouais, pour le coup, ça pique. Hein. Ah, ça commence à piquer un petit peu. Faut respecter quand même le photo. Faut respecter. On a un tagine. Ah, tu vois, je t'ai dit. Je vous ai dit. Le tagine, les gars, ça se mange pas avec la fourchette. On prend un morceau de viande, comme ça. Respecte le tagine. On prend des frites, des légumes. Bismillah. Oui. Ça, c'est un bon plat que nos mamans nous font. Le lait. Tu fais quoi avec le lait? Pourquoi j'en ai mangé deux? C'est savoureux, c'est bon, c'est super stylé, je t'ai dit. L'oreille, elle me fait mal. Mais je t'ai dit, tu fais genre, non, ça pique pas.
Je t'ai dit ça pique. Bon, on va prendre un prochain produit. Ça. Moi j'aime trop les Oreos. C'est pas le problème, j'ai commencé avec ça, maintenant je pourrais plus m'arrêter les frères. Moi j'ai goûté les... Waouh, on a plein de trucs à goûter. T'en veux un? C'est des popcorn Oreo. Bismillah. Waouh! Oh là là, au début t'as le popcorn, tu te dis, mais en mode c'est pas Oreo. Et tu l'as tout à la fin le goût. Non, t'as pas le goût de l'Oreo, t'as le goût de la crème d'Oreo. La crème blanche là. Ça pour le coup, les gars, c'est 10 sur 10 pour moi. Eh, il devrait le sortir ça le cinéma, il devrait sortir ça. Oh, au cinéma t'as ça? Pop, pop, pop. Moi j'ai jamais arrêté d'en manger. C'est le moment de déguster les ramen au curry, la famille. L'emballage il est en or, c'est super stylé. Et ici on a marqué végétarien, donc en vrai on peut manger normalement. Ouais, normalement vous pouvez. Ça veut dire là je vais être un vrai japonais quand je vais manger ça. Non, ça a rien à voir. Eux ils mangent pas ça, t'as un ouf hein. Mais si, ils mangent des ramen. Ça, c'est un truc pour les touristes. Ah ouais? Ah ouais. Ok, go. Bah ça a l'air comme en France en vrai de vrai. Et à l'intérieur il y a ça. C'est quoi? C'est du curry, on le met tout de suite ou après? C'est quoi? Je vois pas. C'est pas de la sauce au porc ça? Non, c'est du curry. Moi je pense faut le mettre dedans. Faut le mettre dans le bouillon, faut le mettre dans le bouillon. Voilà, faut mettre comme ça. On est en train de cuire les pâtes, ça commence vraiment à être pas mal là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'avoue, c'est ça a la forme, là ça a la couleur du curry et tout, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air incroyable. Mais je pense qu'il faut les enlever là, non? Tu rajoutes des boulettes de viande. On les enlève? Attends encore quelques secondes, je pense que ça devrait être mieux. Il y a des vrais ramen, ça avec là, le bouillon là. On met le bouillon comme ça. Waouh. Est-ce que tu vas assumer de manger des bonbons à la crotte de nez? Pierre, feuille, ciseaux, coup sec, celui qui perd, il prend un bonbon au hasard. Pierre, feuille, ciseaux. Yes! Yes! Ok, ça va pas parler chinois. Choisis un bonbon. Si tu veux un conseil, choisis le rose. Le orange, c'est vomi. Le rose, le rose. Non, 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 regarde. Non, elle a pas le droit de regarder, t'as pas le droit. Prends le rose. Oh non, soit crotte de nez ou pastèque. Vas-y, go, go. Oh, j'espère que c'est crotte de nez. C'est pastèque. Oh là là. Ah non, je peux quand même goûter le crotte de nez. Mais non, mais vas-y, non. Vas-y, laisse-la, mais goûter crotte de nez, laisse-la. Alors... Le moment tant attendu, les amis. Je sais pas, ça a goût. C'est crotte de nez? Non, garde dans la bouche, mais pourquoi tu... Mais non, elle a pas compris, c'est quoi? Tu dois avaler. C'est ça le but des Jelly Belly. Nous, quand on le faisait oh, avant... Oui, je sens l'odeur d'ici. Il faut avaler. Oh, l'odeur. Réconforte-toi avec ça pour l'instant. Yacine, il nous a ramené ses bonbons d'Amérique. Ceux-là, ils nous les ont donnés. C'est offert, ça, c'est pas moi qui les a commandés. C'est goût raisin, c'est goût raisin. Ça, normalement, c'est incroyable. Hey, les gars, vous savez, ça me rappelle quoi la boulangerie, la sucette au bonbon? Ou ça t'a fait passer le goût des crottes de nez? Ouais, grave. Ça, c'est tellement fort, du coup, ça fait passer le goût de toute la gorge, même tout ton corps. Donc, ah. Ça me rappelle le goût des épinards. Tiens, t'as bien le droit de goûter les ramen japonaises. Toi, j'ai la langue bleue ou pas? Ouais, t'as la langue bleue. Comme les japonais. Voilà, là, bien respecté le plat. Donc maintenant, on va voir si c'est aussi bon que ça a l'air sur le paquet. Et pour la texture, franchement, c'est une texture très moelleuse. Par contre, c'est un inconvénient, c'est très 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 chaud. Ne mangez pas ça quand ça vient juste de sortir, ça brûle le palais. Et les gars, quand ça glisse, on sent bien le goût du curry. Après, ça descend, franchement, c'est incroyable. Vas-y, bon, on va repartir là-bas. Hein. À l'intérieur, il y a du chocolat fourré. Donc ça, Myrem, peut-être que les mamans, ils achètent ça au goûter pour leurs enfants aux États-Unis. Oh, la surprise! Quoi? Regardez, il est tout en chocolat. Et à l'intérieur... Wow, c'est incroyable. Fou. Passe-moi un bout. Tiens, bismillah. Alors ça, mon gars, je suis obligé. T'as plein de devoirs. Ta maîtresse, elle a fait que te crier dessus. Tu manges ça, tu te détends. Mais là, j'ai envie de dormir. Il y a un lit à côté de moi. J'ai envie de m'endormir dessus. Moi, en fait, le gâteau, il est bon. Mais genre, en fait, c'est un peu trompe-l'œil. Je sais pourquoi, parce que regarde, dans l'image, ils disent que c'est fourré. Alors que non, regarde, là où tu vois que c'est fourré. C'est pas très fourré, je te l'avoue. Mais en mode la mousse elle est trop bonne hein. Pour ma part c'est un 8 sur 10 non. Oreo anniversaire. Je sais pas pourquoi le l'appeler anniversaire. Bah ça a l'air d'être un Oreo classique. Mais ouvre-le. Regardez, on peut pas l'ouvrir, ouais, si, on va le découper. Ah la mousse. Regardez la mousse. C'est à la mousse elle est en couleur, je sais pas si vous voyez là. Bien. La mousse est en couleur. Bismillah. Quelqu'un peut me ramener de l'eau s'il vous plaît? Waouh, ramène une bouteille d'eau. Oh Myriam, c'est une masterclass. La crème elle est excellente. Oh Myriam, je suis désolé, je t'ai mangé, je t'en donne un entier. Non, non, vas-y, t'inquiète. Ça a un goût d'anniversaire, je ne saurais pas comment vous dire, mais ça a une sorte de goût parfumé, la crème. Enchaîne avec les Henuta. Ça, c'est, je crois que ça vient de Nutella aussi, ça a le même logo, regardez. Bah, regardez les Henuta. Tiens, Henuta. Bismillah. Tu commences à croquer. T'as le goût du Nutella. Juste en dessous, t'as la crème du Kinder Bueno. Et juste en bas, t'as une gaufre. Donc ça, Hanuta, si vous le voyez, quand vous partez en vacances, achetez-le pour grignoter. C'est trop, trop, trop bon. On enchaîne. Sneakers, on est avec Nutella, on part chez Sneakers. Alors Sneakers, ils nous ont fait des céréales, je crois. Je sais pas si elles existent en France. On va regarder ça. Oh, c'est bizarre, regardez, c'est des sortes de pétales. Fourrés au chocolat, je crois que c'est des Kellogg's. On va croquer comme ça. Ça se met dans le lait.
On a le goût des sneakers. Les gars, c'est des Kellogg's. Oh, ceux-là, je vais les dégommer. Waouh. Et à l'intérieur, il y a du sort de liquide blanc, du chocolat blanc. Moi, Myriam, c'est trop bon, Kellogg's. Ah, moi, j'aime pas trop. Mais toi, Smehle, t'aimes rien. C'est une dinguerie. Et comment tu peux pas aimer? C'est trop bon, les gars. Très grande fan des Kellogg's, mais en fait, c'est qu'on sent un petit peu de la pâte salée. Genre, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bois du Fanta, je crois ton palais, il est malade, mais c'est... Bois du Fanta, ouais. En parlant de boissons. La boisson au manteau, vous avez déjà vu ça les gars ou pas? Elle, heureusement qu'elle habite pas aux États-Unis. Hein. Là, si les États-Unis te voient là, t'es cuit. T'es finito. Je fais ça parce qu'il y avait de la fumée. Bismillah. C'est de l'oasis, on aurait dit de l'oasis. Attends. Elle est pas très sucrée, mais on aurait dit de l'oasis pomme cassis. Ouais. C'est de l'oasis pomme cassis. C'est pas très sucré, c'est pas gazeux non plus. Ça, faut le boire frais, ça. Ouais. Après une bonne journée de ramadan, le soir au talk, tu tapes ça frais, c'est super carré. Le Twix, bro. Pas d'attachiné Twix, j'ai jamais vu ça. Trop la rage quand il y a des bouts qui restent, tu. Mais ça, normalement, on aurait dû. Tiens, on a une fourchette. On aurait dû le goûter avec une. En vrai, on aurait dû le goûter avec une tartine, mais bon. Ça commence à faire beaucoup de chocolat, les frères. Regardez, la pâte, elle est comme ça. Bah, on dirait un peu du Nutella. Ah, c'est sucré à la mort. Waouh. Sucré, hey, c'est du sucre sur du sucre sur du sucre. J'ai ressenti le goût du caramel et comme vous savez, moi je déteste le caramel. Le Twix, c'est même pas du caramel à la base. Et en plus, c'est du caramel fort. Oh mon dieu. Yassine, il a pris grave des trucs au caramel. Je crois qu'on a tout testé, il nous reste un dernier truc. Le meilleur truc de la vidéo, non, les gars. Ça aussi, tu vas tester, hein, tu vas pas m'arrêter. Vas-y. Kinder, on fait des croissants fourrés. Non, on a crapé, on fait des croissants. Ici, tu vas goûter. Wow, il est balèze le croissant. Tu vas le craquer. On va goûter un croissant brodé. Regardez comment il est. Est-ce qu'à l'intérieur ils ont fait les radins? Je pense pas. On va voir si c'est bon le croissant. Moi je trempe, hein, désolé. Bismillah. On dirait des peaches. Kinder, c'est rare qu'ils se trompent. On dirait des peaches. Ouais, c'est vraiment bon. Le poisson est bien mou, à l'intérieur on ressent bien la touche Kinder. Validé les gars, non, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Bah non du coup. Il y en a que 6. Bah non du coup parce qu'on ressent déjà le croissant. Après tu sens le Kinder qui arrive comme une vague grave forte. Et après tu ressens le mélange des deux. Donc pour ma part le meilleur truc de cette vidéo c'est le Hanouta. J'ai bien aimé le Hanouta, si vous le voyez achetez-le la famille. Moi pour ma part c'est les popcorn. J'espère que ça vous aura plu les gars, n'hésitez pas non. De mettre un like et abonnez-vous. Non. Qualité. Elle est malade. Imagine, c'est beaucoup mieux.